Ok, salut à tous. Voilà, aujourd'hui on va relancer deux montantes, mais attention, les matchs d'aujourd'hui sont vraiment très risqués. Je parle pas de foot parce que le foot en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Donc on va continuer avec le tennis, le tournoi qui se joue actuellement. Je pense qu'on doit être au demi-finale. Et puis voilà, les matchs d'aujourd'hui sont vraiment très serrés. Alors là, on va partir sur ces deux matchs hommes. D'abord, on va lancer deux montants à 25-25 000 puisque le solde il est à 50 000. Et puis, c'est à vous de voir aussi à votre niveau à combien est-ce que vous pouvez commencer. Cela dépend de chacun parce que, voilà, on n'a pas chacun parie en fonction de son portefeuille. Vous pouvez parier 1 000 francs, vous pouvez parier 100 000 et tout ça. Donc, voilà, chacun parie à son rythme. Donc, Djokovic contre Alcaraz, c'est un match très très serré. Il y a Alcaraz qui est très en forme actuellement, mais faut pas oublier qu'en face, c'est Djokovic. C'est pas comme s'il jouait un petit joueur. Donc, moi, en tout cas, moi, je vais jouer Djokovic parce que voilà, c'est ma préférence en tout cas. 25 000 sur Djokovic, ok. En cas de gain, soit 11 000. Et puis, on enchaîne avec la deuxième journée. Le deuxième match, c'est Ruud. Voilà, après les performances de Ruud face à, je sais même plus qui c'était, je crois que c'était Rune. Voilà, le gars, il avait prouvé qu'il est très en forme. Et puis voilà, on va essayer de profiter de cela. Donc, 25 000 également sur Ruud. Voilà, en cas de gain, 47 000. C'est vrai que s'il y a un seul pari qui passe, on sera perdant, mais il est tout à fait possible que les deux paris passent et là on enchaîne directement avec la deuxième journée avec un gros montant sur le solde. Donc voilà les deux paris risqués d'aujourd'hui. Au courant de la journée, nous allons publier d'autres puisqu'il y a des WTA. On va publier cela dans le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et puis laisser un pouce bleu à la vidéo. Et voilà, on se dit à demain pour la deuxième journée.